Catastrophe sur le marché crypto et crash des altcoins ce week-end. Que faut-il faire, ou plutôt, que font les whales? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'analyse des wallets des whales. Pour le coup, je sais que c'est une des séries qui vous plaît le plus, mais c'est aussi celle qui prennent le plus de temps pour vous dénicher les meilleures wallets. Et je suis ravi de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on vous a déniché la crème de la crème, les whales qui font le plus de profit. Et vous verrez que c'est super intéressant ce qu'elles font actuellement. Et en plus de tout ça, petit bonus en fin de vidéo, on va revenir sur les trois narratifs qui sont le plus présents dans le wallet des whales et dans les dizaines de wallets que j'ai vus, parce que je pense vraiment que ce sont ceux-là qui ont le plus de chances de performer dans les prochaines semaines. Et juste avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à remercier Sacha qui m'aide à chaque fois à trouver ces wallets qui sont vraiment pépites, vous verrez dans la vidéo. Je vous mets le lien de son Twitter en description, donc n'hésitez pas à aller voir son travail si ça vous plaît. Et si cette vidéo vous plaît et qu'il y a beaucoup de commentaires, peut-être qu'il viendra sur la chaîne pour présenter un peu sa méthode pour trouver ce genre de wallet. Et je pense vraiment que ça pourrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon allez, trêve de blabla, passe au wallet des whales, c'est parti. C'est parti, on commence par le premier wallet qui contient 1 500 000 dollars. Donc voilà, c'est pas une giga whale, mais vous pourrez voir que c'est une whale qui gagne énormément d'argent. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait sur les marchés. On va prendre l'exemple simplement du Pandora, qui est la crypto numéro 1 du narratif ERC-404. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un narratif qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et comme vous pouvez voir à ce niveau-là, c'est chirurgical. Regardez la qualité des whales que je vous présente aujourd'hui. On peut voir simplement qu'elle a acheté quasiment quand c'était complètement plat. Évidemment là, c'est parce que la crypto n'était pas listée, c'est pour ça que c'est complètement plat. Mais là, on peut voir deux achats ultra pertinents. Et là, regardez comment elle vend exactement les tops. Donc évidemment, vu que c'est des whales, quand elles vendent, elles peuvent impacter un petit peu le prix des low cap. Mais pour le coup, Pandora, c'est quand même une crypto qui est assez capitalisée. Donc elle a juste vendu à des bons timings. Peut-être qu'elle avait des informations, c'est ça aussi, les whales. Et on peut voir que là, elle vend globalement par palier après avoir acheté vraiment très bas. Et là, elle a aussi vendu récemment. Tout ça pour dire que cette whale est ultra pertinente et arrive à faire de bonnes positions. Donc, j'avais vu aussi d'autres positions. On voit qu'elle a du Prime, donc une crypto-monnaie du gaming. Elle a acheté une fois là et après, elle ne vend pas. Donc, même quand c'était aux alentours des 30 dollars, pas de vente. Et même du coup, après la baisse qu'on a eu cette semaine ici, vous avez vu qu'il n'y a absolument pas de vente, pas d'achat, mais pas de vente non plus. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Ce que je voulais vous montrer particulièrement, c'est le Rune Bridge. Qu'est-ce que c'est le Rune Bridge? C'est tout simplement un bridge qui est sur le protocole Rune. Protocole Rune est un protocole qui sort le jour du halving, donc quelques jours après la sortie de cette vidéo. C'est un protocole qui participera à l'écosystème Bitcoin créé par celui qui a l'origine des Ordinals. Donc voilà, c'est clairement pas n'importe qui. Protocole très intéressant, peu de gens en parlent. Et là, vous pouvez voir que c'est une des cryptos qui se construit sur cet écosystème qui est en train d'émerger. Et là, vous pouvez voir que cette whale qui est très chirurgicale sur ses entrées est en train d'accumuler toute la semaine. Elle a accumulé sur chacune des baisses sur ce protocole Rune Bridge. Donc évidemment, quelque chose que je regarde de près. Quand on voit au niveau de la charte, donc c'est une crypto qui a été launch, donc lancée le 9 avril, ça fait seulement une semaine. Et elle a quand même assez bien performé. On peut voir globalement qu'on est sur une bonne zone donc de retracement. Et hop, quand on trace un petit Fibo, on se retrouve exactement au niveau des 0.382. Donc j'agrandis un petit peu. En général, c'est une zone de support. On peut voir qu'elle est à 8 millions de market cap, donc très intéressant pour moi. Évidemment, sans conseiller en investissement, je vous dis juste un petit peu ce que je regarde et pourquoi je trouve ça intéressant de se placer avant que le protocole sorte et avant qu'il y ait une hype trop grande sur ce projet. On va revenir un petit peu sur la whale et voir un petit peu ce qu'elle a d'autre. Encore une fois, elle a du Base Shiba Inu. Qu'est-ce que c'est? C'est un meme coin sur Base. Si vous étiez sur le marché crypto ces dernières semaines, vous avez dû voir qu'il y a eu un gros narratif autour des cryptos de Base. Voilà, c'est même les meme coins, il y en a énormément qui ont bien performé. Et comme on peut voir encore une fois sur cette whale, extrêmement bonne performance. Elle a acheté au listing et encore une fois un petit peu plus haut. Et là, elle n'a rien vendu, même dans la baisse. Et elle a fait quand même de très 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 jolis profits sur cette position. Elle a encore pas mal de crypto-monnaies sur Base, étant donné que c'est quand même une hype qui a eu lieu voilà, les dernières semaines. Et elle a fait de très très gros profits là-dessus. Mais ce que je voulais particulièrement vous montrer déjà, c'était la qualité qu'elle a eue sur Pandora et le Rune Bridge qu'elle accumule massivement actuellement, ce qui pourrait vraiment nous intéresser aussi. Allez, sans plus attendre, on passe directement au deuxième wallet de la vidéo. Et là, on se retrouve encore une fois sur une whale
assez modeste avec 1 200 000 de capital. Et quand on descend, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui nous saute directement aux yeux? On peut directement voir que c'est une whale spécialisée dans l'intelligence artificielle. On a du Wrapped Balance AI, du HAI, Scale Infrastructure, TPAI et Node AI. Voilà, donc des crypto-monnaies d'intelligence artificielle. On va s'intéresser à la plus grosse ligne qui est le 01 token, qui est tout simplement un projet concurrent de Tao BitTensor que vous connaissez tous. Et comme vous pouvez voir, cette whale accumule massivement durant ce mois-ci, donc à 0,81$ de prix moyen, alors qu'on est à 0,58$, donc on est en dessous de son prix d'achat. C'est pour ça que je voulais aussi vous montrer à ce niveau-là ce qu'elle fait. Comme j'ai dit, c'est un projet concurrent de BitTensor, donc beaucoup moins capitalisé évidemment, donc c'est pas du tout la même envergure, mais une team docs, des anciens de Solana, donc c'est quand même assez intéressant au niveau du graphique. Voilà, je dois admettre que j'ai pris une petite ligne au niveau des 0,60, donc un petit peu au-dessus du prix actuel. Mais voilà, globalement, c'est sur ces zones de prix. Au 0,618, vous avez vu qu'il y a une belle explosion. Le projet est assez récent, lancé le 20 mars. Et on a une belle correction. Et vous, comme vous savez, sur cette chaîne, ce qu'on aime acheter, c'est les périodes de correction sur les projets intéressants. 57 millions de market cap. Donc pour moi, il y a encore de la marge à ce niveau-là. Et évidemment, je vous invite à creuser parce que c'est extrêmement risqué. Mais c'est quand c'est risqué qu'on a les plus beaux gains, et ça vous le savez. On revient un petit peu sur la deuxième whale. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc du Wrapped AI, donc du Wrapped Balance AI, pardon, WBAI, dont on parle déjà depuis un petit moment sur la chaîne, notamment la vidéo Lookup IA que vous pouvez voir juste ici. Donc elle a accumulé massivement les deux dernières semaines, donc à des intervalles très très proches, à 15 de coût moyen alors qu'on est à 10. Encore une fois, on est inférieur à son prix d'achat, mais pourtant, malgré la baisse qu'on a eue, elle ne panique pas. C'est ça qui est important de retenir de la vidéo. S'il y a une seule chose à retenir, c'est que les whales ne paniquent pas et ne vendent pas dans la peur. Elles accumulent ou alors elles ne font rien et conservent leur position. On revient un petit peu, donc on a du Node AI, pareil, donc une crypto dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais surtout d'infrastructure de GPU décentralisé, pardon. Il y a pas mal d'influenceurs US aussi derrière le projet, c'est pour ça que je veux vous le montrer. Mais voilà, elle accumule énormément ces deux dernières semaines. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que regardez sur le gros crash qu'on a eu ce week-end, elle a accumulé près de 16 000$ de Node AI. Voilà, donc tout simplement, elle est en positif déjà, donc à partir des positions qu'elle a prises là, pour montrer simplement que pendant qu'il y a des périodes de crash, ces whales aiment accumuler ce genre de projet. Donc voilà, elle a aussi du 0x0 dont on a parlé à maintes reprises sur la chaîne. On en a parlé peut-être aux alentours des 007, il me semble. Voilà, fin 2023. Pareil, il y a toutes les vidéos que vous pourrez retrouver ici. Donc sur ce projet, elle en a accumulé, regardez, énormément très récemment. Donc sur les deux dernières semaines. Et pareil, elle a accumulé sur ce gros dip qu'on a eu là. Donc le crash de ce week-end, les whales se sont gavés pendant que malheureusement les retail ont paniqué et vendu leur crypto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on voit un petit peu du Myria, donc une crypto gaming que j'affectionne et dont je vous ai déjà parlé. Game for a Living, pareil. Et voilà, donc pas mal de petites cryptos intéressantes, du Shrap, donc du projet Shrapnel. Encore une fois, Superverse, voilà, donc des cryptos, intelligence artificielle, des crypto gaming, deux narratifs assez explosifs. Et encore une fois, si vous voulez creuser au niveau de ce wallet, toutes les infos sont en description. Pareil pour le premier wallet, évidemment, je vous mets les adresses pour ceux qui veulent creuser et regarder un petit peu ce qu'ils font. Donc, on vient de voir deux wallets ultra performants. Juste avant de passer au troisième wallet de la vidéo, je vous invite vraiment à nous lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir parce que ça nous aide énormément et ça montre surtout que vous aimez ce format pour potentiellement faire d'autres épisodes. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, on passe au troisième wallet. C'est parti. Troisième wallet de la vidéo qui contient 5 millions. Donc là, on passe directement dans une autre catégorie. Vous pouvez voir au niveau des performances que c'est un wallet pareil qui gagne de l'argent. Quand on descend, on remarque un truc aussi qui nous saute aux yeux. On a encore une fois des crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Le narratif qui pour moi sera le plus gros au prochain bullrun et visiblement pour les whales aussi. Et on voit qu'elle a pris une position donc de 14 000 palmes au niveau ici, mais comme vous pouvez voir, c'est chirurgical. Elles achètent les positions horizontales, donc quand le prix stagne, et revendent. Regardez-moi ces ventes simplement au meilleur moment, les meilleurs moments d'achat, les meilleurs moments de vente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de suivre ce genre de portefeuille. Donc Palm AI, globalement, voilà, c'est un bot d'intelligence artificielle pour répondre à des questions de crypto. Donc un chat GPT crypto, pour faire très simple. Le leader, c'est Palm AI. Vous pouvez voir que il en a aussi en portefeuille.
Et pareil, donc il achète énormément, il vend énormément, il a énormément fait de profit tout simplement. Donc 7 centimes et 49 et 39, pardon, donc quasiment x5 sur sa position de PAL AI sur 500 000 $, ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Hop, donc Swarm, je ne connais pas. Je vous invite évidemment à regarder du Balance AI encore une fois. Donc deuxième fois qu'elle apparaît dans la vidéo, mais ça apparaît aussi sur des dizaines de toilettes. C'est pour ça que ce projet, j'en ai en portefeuille et c'est très intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe ici. Game for a Living qu'on revoit, Nakamoto Games. Donc je vous l'avais présenté aussi dans une vidéo dédiée, on était aux 66 $ environ. On a une belle performance sur ce projet et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que malgré la baisse, la whale ne vend pas. Elle achète, elle garde ses positions et ne vend pas dans les périodes de peur. On descend un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Voilà, du Fideum, je vous laisserai un petit peu creuser. On retrouve des crypto-monnaies, du Root, voilà, donc quelques cryptos qui nous parlent, mais globalement, voilà, il y a énormément de cryptos, donc c'est des plus petites positions, mais en général, elles commencent par des petites positions avant d'accumuler, donc intéressant de regarder ça. Encore une fois, le wallet sera en description. Allez, c'est parti, on passe au quatrième wallet de la vidéo qui contient 2,6 millions de dollars en crypto. Donc un beau petit bébé, quand on descend, on voit directement Dotonolas. Donc voilà, une crypto-monnaie concurrente du WBuy qu'on a vu, mais beaucoup plus capitalisée. C'est pour ça que celle-là, je n'en ai pas. Mais vous pouvez voir, encore une fois, ça cumule dans les périodes horizontales et ça vend par étapes, encore une fois, sur les périodes où c'est plus vertical. Donc Dotonolas, c'est quand même assez haut actuellement. Donc à regarder, mais peut-être pas le moment de s'y intéresser. Et ce qu'on a d'intéressant encore du PAL AI, on a surtout des crypto-monnaies du gaming sur ce portefeuille du BIM. Donc une crypto-monnaie gaming assez capitalisée. Pareil, elle achète à ce niveau-là, donc assez bas, une moyenne de 1 centime. Donc déjà un x3 sur cette position. Assez intéressant le BIM. Mais ce que je voulais vous montrer moi, c'est du CDFI dont on a parlé aussi en vidéo. Encore une fois, donc un achat et pas de vente, que ce soit à la hausse et à la baisse. Donc potentiellement, c'est ouais, il croit encore à l'avenir de cette crypto et globalement de la plupart. Hein, vous voyez qu'il y a très peu de ventes. C'est ça qu'il faut surtout retenir de la vidéo. Et quand on descend de l'Immutable X, donc encore un projet IA, encore un projet gaming, pardon. Et voilà, le reste, je ne connais pas vraiment. Je vous laisse le wallet en description. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est Superverse. Donc pareil, une crypto-monnaie gaming plus capitalisée, mais suivie par énormément d'influenceurs américains. Lancé par Elliot Trades d'ailleurs, qui est un gros influenceur américain de 500 000 abonnés. Donc évidemment, dès qu'il en parle, ça fait des bonnes performances. Et cette whale a l'air de profiter de ce projet. Donc voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Je vous laisse le wallet en description si vous voulez creuser. Et on passe directement au cinquième et dernier wallet de la vidéo. Et ce dernier wallet a 2 millions en crypto, donc quand même une bonne petite whale. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elle a énormément de crypto dans l'écosystème d'Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? On a du Lido, du Frax, qui sont globalement des crypto-monnaies qui permettent de faire du liquid staking d'Ethereum. Pour faire simple, c'est dans l'écosystème d'Ethereum. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Regardez, elle recharge assez récemment. Pendant ce mois, elle a rechargé une belle position de Lido à 2,69 $, donc un peu plus haut que le cours actuel. Pourquoi c'est intéressant pour moi? Pareil pour Frax, parce que tout simplement, aujourd'hui, on a eu l'acceptation des ETF Ethereum à Hong Kong. Donc c'est pas les ETF Ethereum aux États-Unis, mais c'est quand même une belle étape. Pour moi, Ethereum sera globalement le prochain narratif avec les ETF qui vont arriver pour mai 2024, étant donné que c'est la deadline. Donc soit ils seront acceptés, soit ils seront refusés en mai 2024. Mais pour moi, étant donné qu'ils ont été acceptés à Hong Kong, il y a des chances que du côté des US, il l'accepte aussi. Et là, on pourrait avoir, comme on a eu sur Bitcoin, une belle explosion avant les ETF. Donc, tout l'écosystème d'Ethereum pourrait profiter de cette hausse. Et je pense que c'est ce que joue exactement ces whales. Donc, pareil pour du Frax. Ce qu'on voulais vous montrer aussi sur cette whale, donc elle a du Maple, donc dans l'RWR. Elle a aussi du Pendle. Pareil, Pendle, projet dans l'écosystème d'Ethereum. On rentre pas trop dans les détails, mais vous pouvez voir qu'elle a acheté même quand c'est vertical, parce qu'elle se dit sûrement que avec tout ce qui va se passer autour d'Ethereum, cette crypto-monnaie pourrait encore exploser. Elle a acheté aux alentours des 5 $, on est à 6, donc elle est encore en profit là-dessus. Voilà, une whale intéressante à regarder. Il y a du Hunker, donc là 0 $, ça veut dire qu'elle a pris une position de Hunker, mais qu'elle a vendu. Mais pareil, Hunker intéressant à regarder. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre ce projet. Et pareil, on a du Mubi, donc Mubi qui se situe dans l'écosystème Bitcoin, comme on a vu un petit peu ce qui va arriver
avec le protocole Rune, etc. Là, on est plutôt sur la BRC20 et on est donc globalement sur une période de stagnation. Donc intéressant, du Mubi, j'en ai aussi en portefeuille. Et là, vous pouvez voir qu'elle en a pour 9 centimes. Donc elle a acheté, elle a vendu, mais énormément de whale accumule du Mubi et en ont encore en portefeuille. Bon, voilà pour ces 5 wallets ultra intéressants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo et surtout, qu'est-ce que font ces whales? Globalement, ce que vous pouvez voir, c'est que les whales ne vendent pas en période de crash. Au contraire, soit elles accumulent, soit elles maintiennent leur position. Et ce qu'on a vu d'intéressant, c'est 3 narratifs qui sont vraiment particulièrement ressortis. En numéro 1, l'incontournable, l'indétrônable, l'intelligence artificielle. Évidemment, énormément de whales en accumulent. Il y a beaucoup de très bons projets, mais aussi des projets beaucoup moins bons. Voilà, le but, c'est quand même de faire le tri, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même des projets qui reviennent beaucoup sur ces wallets qu'on a pu voir. Je vous invite vraiment à faire le tri et à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. En deuxième narratif, le dernier dont on a parlé sur cette vidéo, c'est l'écosystème Ethereum. Tout simplement parce qu'on va avoir sûrement les ETF acceptés en mai. En tout cas, c'est le scénario que je vais jouer. Donc, toutes les cryptos en lien avec Ethereum ont des chances quand même de performer à la hausse. Comme on a pu voir avec le Bitcoin il y a quelques mois auparavant, juste avant son acceptation des ETF, où il est simplement passé d'environ 20 000 $ à plus de 60 000 $. Et troisième narratif très intéressant dont peu de gens parlent et qui pour moi sera le gros narratif de ces prochaines semaines, on va voir donc si ça s'avère être vrai ou non. Pour moi, c'est tout l'écosystème de Bitcoin, surtout avec le halving qui a lieu dans quelques jours après cette vidéo et le protocole Rune qui sort le jour du halving. Je pense que tout ce qui se bâtit sur la BRC20 et sur l'écosystème de Rune, comme on a pu voir le Rune Bridge où il y a des whales qui sont en train vraiment de préparer un petit peu ce narratif, je pense que ça pourra vraiment bénéficier dans les prochaines semaines. En tout cas, je me place de plus en plus sur ce genre de crypto parce que le but, c'est évidemment d'arriver quand personne n'en parle et quand tout le monde en parle, comme on a pu voir sur Base ou sur Solana il y a quelques semaines. En général, c'est trop tard et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Bon, voilà pour ces wallets de whales et pour les 3 narratifs des prochaines semaines. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez vraiment pas de mettre un petit commentaire pour le soutien. Ça fait super, super plaisir et ça nous encourage à en sortir d'autres. Si vous voulez voir d'autres portefeuilles de whales, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo juste ici. Et sinon, comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent halving. C'était CryptoFuego. Ciao.